À Madrid, au moins 20 personnes ont été blessées la nuit dernière dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les protestataires se réclamant du mouvement des indignés s'étaient massés devant le ministère de l'Intérieur pour dénoncer la fermeture des accès menant à la Puerta del Sol. Plusieurs personnes auraient été interpellées. Épicentre de la contestation, la place madrilène était vide ce matin. Les derniers campements ont été évacués et la police qui a rouvert les accès à la place s'efforce d'empêcher toute nouvelle installation. Pour les manifestants, il y a un lien évident entre cette opération Place Nette et la prochaine venue du pape dans la capitale espagnole. Le mouvement des indignés était né au printemps sur la Puerta del Sol pour dénoncer notamment les effets de la crise économique, en particulier la hausse du chômage qui touche massivement les jeunes. D'autres manifestations sont attendues ce week-end dans plusieurs villes d'Espagne.